and welcome to the Freeride World Tour Journal here in Capel. Now, today's competition was cut short after rider number two, Julian Lopez, was caught in an avalanche. Thankfully, he's absolutely fine, but we wanted to take the opportunity to explain what happened, the safety measures that were carried out beforehand, and how Julian's feeling. En tant que freerider, on est bien préparé à tout ce qui pourrait se passer en montagne. Donc, quand on anticipe les avalanches, on essaye d'y penser, on s'informe sur la météo et tout ça. Je dirais que là, on arrive, on est en compétition, c'est beaucoup plus encadré, avec plusieurs guides qui sont là, qui passent plusieurs fois dans la face pour se rendre compte si ça va ou si ça va pas. Cette face-là avait été bombée plusieurs fois, donc les conditions de sécurité étaient réunies. Quand on arrive sur un site pour valider une face, on est là minimum 48 heures en avance. On prend des renseignements chez les patrouilleurs locaux, en l'occurrence chez les guides qui travaillent ici toute la saison. Ensuite, on va nous-mêmes dans la face faire des profils. Donc là, en l'occurrence, on y était déjà dimanche. On a fait des profils qui nous ont dit qu'il fallait procéder à un minage un peu plus approfondi que ce qu'on ferait d'habitude. On a procédé à ce minage hier, lundi. Minage assez massif, on peut dire, une quinzaine de bombes de 2,5 kg. Et on a nous-mêmes skié cette face. Et en plus, pour être sûr, on a envoyé encore 3 ouvreurs pour qu'ils nous fassent une dernière confirmation. But not what he was expecting on the landing there. Oh, and... Well, obviously, as you can see, we've had a slide break free. We can see Julian popping out there. This is why all the riders now have, it's mandatory to wear the avalanche. He's on top. Airbag, he is on top. Bah, c'est la preuve que malgré les meilleurs riders au monde réunis, les meilleures conditions de sécurité réunies au monde, il peut se passer toujours quelque chose, donc il faut faire attention en montagne. Man kann ein Fels nicht hundertprozentig absichern, das ist ganz klar. Wir sind draußen in der Natur, das ist Freeriding. Es gibt ein Restrisiko. Le setup de sécurité est important le jour de la compétition, puisqu'on sait qu'il peut y avoir éventuellement une avalanche, ce qu'on n'espère jamais, éventuellement des blessés, éventuellement des pertes de ski. An einem Wettkampftag, wir schauen, dass wir kürzeste Wege haben, dass die Retter sofort bei dem Verunfallten, Verletzten sind. Donc ça fait une vingtaine de personnes qui sont sur la montagne prêtes à intervenir, plus bien sûr des hélicoptères en stand-by qui peuvent intervenir si c'est plus grave. Du fait qu'on ait assez de monde, la première personne était à moins d'une minute sur l'avalanche. Quand on montre des images de compétition qui se passent toujours bien, des images de films qui se passent super bien et tout ça, on ne montre pas l'envers du décor et c'est bien aussi de le montrer, il y a un aspect de sécurité, donc voilà. On n'est pas des surhommes. Les riders font eux-mêmes partie du concept de sécurité dans le sens où ils sont déjà équipés vraiment de la meilleure manière possible. On a eu la preuve aujourd'hui. Et puis en plus, ils sont quand même formés. Il y a des cours qui se font, des piqûres de rappel où on leur reparle de la recherche des VA, etc. Là, on montre l'exemple en fait de ce qu'il faut faire, quoi. Et que ce soit en compétition ou pas en compétition, bah, c'est la même approche. Donc on voit bien aujourd'hui que tout a été mis en œuvre pour que ça se passe le mieux possible. On voit que le risque peut exister encore et puis on a réagi aussi en disant qu'il valait mieux arrêter pour aujourd'hui et puis remettre ça à des jours meilleurs. Donc la montagne a parlé, mais notre engagement et notre organisation a aussi eu une grosse importance sur une situation comme ça.